Nos coqs rouges, nous sommes très contents ce soir pour la victoire des Lions qui sont qualifiés pour la finale. En même temps, je vous présente une soirée, la soirée du 11 février 2017 qui sera 19h au 7 avenue du docteur Schusnetz au 69 330 à mes yeux. Pour le soutien de Natacha Rousseau qui est souffrante d'un cancer. Voilà. C'est pour la soutenir. Venez nombreux, on vous attend. Soutenez Natacha Rousseau. Nous sommes en direct au Coq Rouge. Merci Jean-Jacques Vidéo pour ta présence, tu nous as fait honneur. Et en même temps, les Lions sont qualifiés en finale. Pour la même occasion, je vous présente la soirée du 11 février 2017, 19h à mes yeux, en l'honneur de Natacha Rousseau, qui est actuellement malade, elle contre le cancer. Merci. Bonsoir à tout le monde. J'annonce ma présence samedi 11 février 2017 pour soutenir Natacha Rousseau qui souffre du cancer. Le public lyonnais est connu pour sa solidarité. Alors, nous serons massivement présents pour soutenir notre artiste Cassé Bambou, que nous avons bien aimé. On a beaucoup dansé sur ses musiques. Et j'invite vraiment toute la population camerounaise de la diaspora de tous les pays à venir soutenir notre artiste. Parce qu'elle a beaucoup fait pour la communauté, beaucoup fait pour la culture du Cameroun. Alors on sera massivement derrière elle. Je vous remercie. Ben, rendez-vous le 11 février pour soutenir la grande Natacha Rousseau, samedi 11 février à Lyon, mes yeux, à la salle au numéro 7, docteur Avenue Schweitzer à mes yeux. Merci.
mais au 7 avenue du docteur Schuster, à mes yeux, le 11 février, on vous attend massivement pour cet événement. Soyez nombreux pour soutenir l'artiste Natacha Bizot. Et avec vous, plein d'artistes, plein de musiciens, juste pour soutenir cette initiative. Je suis Didier Meza, je vous invite tous à venir soutenir Natacha Bizot. C'est une soirée spéciale, il y a plein d'artistes, un concert comme vous n'en avez jamais vu à Lyon, avec une plénière d'artistes comme ici, vous voyez sur l'affiche. Je vous invite tous à venir soutenir Natacha Bizot, qui défend une cause qui est importante pour elle et qui est aussi importante pour nous tous, pour toutes nos familles. Et je ne peux dire qu'un mot, venez nombreux, ce jour-là, il y aura beaucoup à faire. Merci. Je suis d'abord fier d'être Camerounais parce que ce soir on est content, on a gagné. Non, on est fier de notre équipe. On ne croyait pas qu'il devait être là, mais on est là. Mais par contre, n'oubliez pas le 11 février. Non. Samedi le 11 février de 19h pour soutenir Natacha Bizot pour son cancer et tout. Cette avenue du Saint, chez mes yeux, 69 330. Et soyons nombreux et tout pour la soutenir. Les amis, vous savez, on ne fait jamais dans la dentelle. Grand événement à Lyon, sur ce, c'est par rapport vraiment franchement à une grande soeur, une femme qui a chanté pour nous et qui aujourd'hui est malade et souffrante. Ça peut arriver à tout un chacun, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi. Moi, en tant que manager à Lyon, je serai présent le 11 février contre le cancer de Natacha Bizot. Franchement les amis, venez nombreux. Venez vraiment nombreux. C'est notre soirée, c'est votre soirée. L'entrée c'est 25 €. C'est oh, je vais lire, hein. C'est pour vous que je lis. 7 avenue Docteur Schwazer, à mes yeux. Vraiment une salle, une très belle salle. Très belle salle. Venez, vous verrez. Vous savez, je ne fais jamais dans la dentelle. Et je soutiens Natacha Bizot, c'est mon grand Jean-Jacques Vidéo, grand de la Suisse. Franchement, merci à toi Jean-Jacques. Merci pour cet événement. Ils seront là, ils viendront, toute la famille lyonnaise. 1,
on est là, la victoire des Lions. On va fêter en même temps qu'on vient soutenir la sœur Natacha Bissou, lutte contre le cancer. Merci beaucoup à vous, le manager de Tchou Galiano. Ciao. Là, nous sommes au Corps Rouge, chez ma petite tata. Nous sommes déjà très contents et très contents pour la victoire des Lions. Et par l'occasion, je profite de vous présenter une soirée qui aura lieu le samedi 11 février 2017 à mes yeux, à Lyon. L'adresse est le 7 avenue du docteur Schweitzer, à mes yeux, je l'ai déjà dit, hein, pour faire honneur à Natacha Bizot qui en ce moment est très malade et souffre de cancer. Donc venez nombreux, on vous attend. Voilà. Merci.